Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve non pas sur Farming, non pas sur ATS, mais on se retrouve pour ETS 2 en multijoueur. Je suis sur serveur 1, serveur simulation. Et aujourd'hui, vous voyez que je n'ai pas. Alors, ça va être fort. Que je n'ai pas le même camion. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que j'ai eu des petits problèmes avec mon PC. Ça a fait. Steam. Steam m'a redemandé mon mot de passe. Alors je vais vous dire la suite. Là pour l'instant on transporte, donc on est à WGCC pour transporter de l'azote 7 tonnes de Francfort à Bernou pour 24 000 €. On va prendre la mission. Ça va bien. Levez des petits coups de lag, je vais démarrer le jeu. Ah, 2% d'ASMI. Donc voilà, on va prendre notre cargaison et je vais vous dire le reste après. Donc Steam m'a demandé mon mot de passe. Donc j'espère que le son n'est pas trop fort. Ça faisait un petit moment que j'ai pas continué la série en route dans le monde. Alors, ça va être un petit peu fort. Voilà. Donc, on va attendre que ça machine. Voilà. Je vais regarder un truc. Donc voilà, alors, il est quelle heure? Il est quelle heure? Est-ce qu'on a l'heure? On a l'heure ici? Ouais, il est midi, c'est bon, on part. Donc on a 600, 700 km à faire. Tranquillou, donc je pense 30 minutes de vidéo, ça va vous plaire. Pour une fois. Ça changera de vidéo de FS, je voulais un petit peu changer. Donc voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, Steam m'a redemandé mon mot de passe. Donc ça arrive un petit peu, pas souvent, mais il m'avait demandé mon mot de passe. Donc du coup, j'ai retrouvé mon mot de passe. Et j'ai pu installer mon jeu. Donc j'espère que le son n'est pas trop fort, mais j'entends bien, donc je m'entends bien, donc c'est bon. Donc voilà, alors donc là on est à Francfort, donc c'est Francfort
et pas Frankfurt. On va prendre. Je vais un petit peu trop vite. On va peut-être croiser du monde, on verra, hein, parce qu'il y a une centaine de personnes pour l'instant. Là, je venais juste faire pour la petite vidéo, puis ça allait bon. Donc, parce qu'en fait, j'ai eu des petits problèmes. Bon, dès que le jeu me dira que ça sera bon, je pourrais mettre à 80. Donc, j'ai eu des crashs comme ça. Donc, là, il m'a demandé mon mot de passe Steam. Donc, ce que j'ai fait, je lui ai donné mon mot de passe. Et là, d'un coup, sur mon. Alors, les crashs et je me faisais kick, c'était parce que la connexion était pas, on va dire, elle était variable. Pourtant, j'ai une bonne connexion. Bon, bah, du coup, j'ai pas cherché plus. J'ai même reboot ma box des fois pour voir. Alors, des fois ça marche, des fois ça marchait pas. Donc voilà. Donc du coup j'ai dû j'ai dû reboot ma box et tout parfois quand je me faisais kick. Voilà. Et là donc j'ai eu donc là ça faisait un moment qu'il m'a pas demandé mon mot de passe Steam. Donc ce que j'ai fait, j'ai remis mon mot de passe, je suis rentré dans mon compte Steam. Désolé des petits coups de lag. Je sais pas pourquoi, mais bon. Voilà. Et donc du coup. J'ai dit bah c'est bon, bah je vais dans. Donc il me met dans l'accueil comme d'habitude. Quand j'ai donné mon mot de passe. Des fois il me connecte automatiquement, mais là ça faisait longtemps qu'il ne m'a pas demandé mon mot de passe. Du coup je suis allé dans l'accueil. Dans l'accueil dans la bibliothèque. Et là je remarque que j'avais que 7 jeux dans ma bibliothèque. Donc j'avais mes jeux achetés et mes jeux version illégale que j'avais en raccourci qui n'était pas. Désolé, des petits coups de lag. Ouais, je sais pas pourquoi j'ai des petits coups de lag. Donc voilà. Donc du coup j'ai recherché tous mes mots de passe et tout etc. Et dans la vidéo ATS je vous avais dit que j'avais perdu mon mot de passe et tout. Je pouvais pas aller en multi ATS comme j'avais acheté le jeu ATS. Du coup voilà. Donc il y avait même Trucker MP pour vous dire aussi sur Steam. Donc je l'ai remis, j'ai relancé mon Trucker MP, j'ai dit on va réessayer. Et là je vois que mon multi m'a enlevé mon mot de passe. Ben, il a enlevé mon mot de passe parce qu'en fait il n'y avait que ETS2 en multi où je pouvais jouer parce qu'il y avait le mot de passe qui reste, il y a l'identifiant et le mot de passe qui reste, d'accord. Et du coup j'ai dit tiens, il m'a enlevé mon identifiant donc je pouvais pas jouer en multi. J'ai dit bof. Donc voilà, donc du coup j'ai envoyé un mail à Trucker MP qui m'a gentiment, et je les remercie de me renvoyer un mot de passe. J'ai mis mon identifiant, mon mot de passe, donc sur le site, sur mon profil, j'ai pu me remettre, d'accord. Et alors j'espère que vous m'entendez bien parce que le son qui est fort du jeu. Qu'est-ce que je disais? Ce que je disais,
Bah, je pouvais pas rentrer dans mon profil Trucker MP. Donc maintenant je peux rentrer dans le profil Trucker MP. Maintenant je peux jouer ATS en multi. Et ETS, je peux retourner sur ETS en multi. Donc ce que j'ai fait, dès qu'il m'a envoyé mon mot de passe et tout, j'ai donc j'ai mis identifiant et tout, etc. Pareil pour ATS. Et là je remarque sur ETS la partie multi, donc où il y avait le joli Scania. Désolé des petits coups, hein, je sais, mais un coup ça sauvegarde, un coup c'est ma co. Ouais. Et là je remarque un truc, c'est qu'il n'y avait plus ma partie multi, donc où il y avait le joli Scania S730 que j'adorais. Il avait 260 000 km pour ceux qui veulent savoir. Et j'avais prévu de le changer à 400 000. Donc il avait passé les 300 000 et après go pour les 400 000 km. Et ma partie avait beaucoup 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 d'argent. C'est pas le contraire d'ici, hein. Là on va en République tchèque à Brno, à Sandbuilder. Ouais, donc là j'ai 12 000, hein, c'est pas pareil. Donc j'ai dit c'est peut-être un bug. Je suis allé en solo pour voir. Même chose. Je dis bah c'est bizarre. Je dis tiens, c'est bizarre, je vais aller en solo. Pareil. Je dis ah merde. En fait, il y avait ma partie cheatée où je teste mes modes. Et ma partie solo où il y a mon joli Scania RJL. Et là, je me dis, mais c'est bizarre et tout. Bon, donc voilà. Donc, j'ai dû recommencer une partie. Donc, en fait, j'ai dû arriver au niveau 5. Ouais, niveau 5. Même, non, niveau 14. Oui, parce que là, je suis niveau 15. Niveau 14. Donc, ça fait pas longtemps que j'ai la partie multi. Ça fait une semaine que je l'ai créée. Et du coup, sur ma partie. Et du coup, sur ma partie multi, donc je suis allé niveau 14 pour acheter mon camion. Donc vous avez vu le beau camion, donc c'est le New Actros avec 517 chevaux. Voilà, je suis resté raisonnable cette fois-ci, hein, j'en ai pas pris un 730. J'ai pris un 517 chevaux, mais il consomme moins que le Scania, parce que là je suis à 30 litres. Bah là c'est normal, parce que la petite remarque que j'avais avant, je faisais du 27 litres de moyenne, et là je fais à peu près du 30 litres de moyenne. Pourtant j'ai 7 tonnes. Donc voilà. Et donc du coup j'ai dû refaire une partie, me recréer un mettre merde, activer comment s'appelle World of Truck sur cette partie si jamais c'est pour les événements. Et du coup oula, il y a une personne logistique 79. Alors, pour l'instant qu'il n'y a pas de monde, je vais pas enlever la CB, mais s'il y a trop de monde on enlèvera la CB. Et du coup, qu'est-ce que je disais? Du coup, j'ai dû recommencer une partie, etc. J'ai dû évoluer. Et cette fois-ci, au lieu de faire comme je faisais avant, j'achetais un camion. Ben, dès que c'était la possibilité d'acheter un camion, ben, j'achetais mon camion. Dès que j'avais remboursé mon emprunt, j'avais pris un autre emprunt pour acheter pour agrandir mon garage et acheter deux autres camions. Donc voilà. Et du coup, j'avais changé de camion, donc j'avais plus le Merco, comme je l'avais dit des premières vidéos et tout. Et j'avais le Scania S,
Bah, j'avais le Magnum, puis après j'ai eu le Scania S. Voilà. Et donc voilà. Là, c'est différent. Différent, différent, différent. Là, je suis allé jusqu'à niveau 14 pour débloquer. Et j'ai dit, si besoin, j'irai emprunter un peu de sous à la banque pour acheter mon ensemble cette fois-ci. Oui, parce que maintenant, il y a les remorques achetées. Donc la remorque que vous avez vu en miniature et qui est derrière moi, c'est une remorque achetée. Il faut savoir que quand j'ai... je vous explique un peu tout, hein. Quand j'ai... Quand je suis arrivé niveau 14, j'ai acheté ma remorque. J'avais déjà acheté ma remorque bien avant. Et arrivé niveau 14, maintenant, j'avais tout débloqué ce que je voulais. Et j'ai pu acheter mon camion et sans l'aide de la banque cette fois-ci. Donc ça veut dire que j'ai dû, quand j'ai sélectionné mon garage, j'ai toujours sélectionné Clermont. Donc là, mon garage comporte une place parce que c'est le garage du début. D'accord. Là, on est Prague, ouais. Donc voilà. Donc voilà. Prague. Donc voilà. Et désolé si je roule pas comme il faut. Donc voilà. Et donc du coup j'ai toujours une place, donc c'est le garage de base hein, quand vous commencez la partie. Donc je l'ai pas encore agrandi parce que j'ai pas les moyens. Et cette fois-ci j'évolue différemment. Voilà, donc là je suis arrivé au niveau 14, j'ai pu acheter mon camion parce que l'armement je l'avais déjà acheté. Et un peu, et voilà. Et du coup, quand je suis arrivé ah non, merde. Du coup, comme je suis arrivé au niveau 14, j'ai regardé combien j'avais et donc j'ai pu acheter mon camion qui vaut quand même plus de 200 000 euros celui-là. Hein. Vous comptez la remorque que j'avais, donc la remorque Inestieux avant, j'avais presque 260 000 euros de dépenses pour mon premier ensemble. Là, j'ai dû vendre la remorque Inestieux bâchée. C'est des tests, hein, je voulais voir la une essieu. Bon, pour comparer un petit peu avec celle qu'on avait avant, la grosse 3 essieux. Donc voilà. Et du coup, j'ai acheté. Du coup, j'ai revendu ma bâchée pour acheter ce type de remorque. Mais de toute façon, je vais revenir à Clermont pour essayer de choper, de vendre ma remorque. Et d'acheter un truc pour les pour les engrais et tout. Voilà. Que ça coûte cher d'acheter des remorques et il faut avoir l'argent qu'il faut. Donc voilà. Et donc du coup j'avance tranquillement sur la partie avec une nouvelle remorque qui est une Crone hein, derrière moi. Là c'est une remorque pour transporter des liquides inflammable, dangereuse même. Donc du coup, peut-être que vous verrez d'autres vidéos plus tard de cette partie. Voilà. Donc ça y est, on arrive à la frontière République tchèque. Voilà. Donc j'ai même pas d'autre carburant parce que vu la taille, il me doit me rester moins de plus de 1 000 km. Parce qu'avec l'eau, je faisais 1 000 km. Non, j'avais 1 000 litres, là j'ai 1 400 litres. Et j'en avais pour 3 000 litres, 3 000 km. Là j'en ai un petit peu plus. Après, ça dépend des types de remorques. Hein. L'estimation varie en fonction du chargement. Vous pouvez faire 3 000 comme vous pouvez faire 5 000 km. Puis moi je suis pas dans comme des gens
taper au jaune, rouge. Non, là, moi, je me tape au vert. Et comme ça, je suis tranquille. Donc voilà. Donc là, vous verrez un Merco. Peut-être que plus tard, vous verrez... Oui, parce que j'ai prévu de changer de camion plus tard. Mais d'abord, je vais agrandir mon garage. Acheter un autre... vendre ce camion, acheter un autre et l'ensemble avec. Je vais vendre tout mon ensemble, mais ça sera plus tard. Vous verrez d'autres vidéos avec celui-là. Ça sera un Scania, je vais pas vous mentir, ça sera un Scania Streamline, hein, je peux en faire chier. En même configuration, je vais rester en configuration comme en réel. Voilà, 500 chevaux, 4x2, voilà. Là, les 6x4, c'est généralement pour les convois exceptionnels et tout, donc voilà. Je dis beaucoup voilà en ce moment, c'est un peu... voilà. Je le dis encore une fois. Donc, pour vous prévenir aussi, il y a eu une vidéo sur ATS et ETS. J'ai pas trop compris pour ATS, mais ETS, j'ai compris. Normalement, ce que j'avais lu, normalement, on devait avoir le Renault Orange T cette année-là, cette année. Et plus loin dans l'année, ou plus tard, on devait avoir le MAN TGX Euro 6. Euro 6, excusez-moi. Du coup, on a une vidéo du MAN Euro 6 avant le Range T. En fait, ils nous berlent un petit peu parce qu'ils ne savent pas quoi sortir en premier, alors qu'ils avaient tout prévu sur la liste, sur un forum, j'avais vu qu'est-ce qu'ils allaient sortir. Normalement, c'était l'Orange T qu'on devait en vidéo, mais là on a eu un MAN TGX. En fait, ils font un petit peu à l'envers, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ok. Pourtant, ce que j'ai lu, ils avaient tous les droits du Renault. Hein. Et s'il n'y avait pas le MAN, ils n'avaient pas encore les lois. Mais bon, on verra bien. Donc. Je vous montrerai l'intérieur après, parce que là aussi on peut le montrer. Donc voyez, voilà, j'ai resté un petit peu comme ça, c'est tout. Donc voilà, vous avez vu un petit peu l'intérieur, donc c'est pas ouf comme le Scania, hein. Mais je me suis un petit peu joué. Et tiens, mon truc Schwartmüller, il est remis en place. Oui, parce que j'ai roulé avec quelqu'un et il partait un petit peu en couille, en poliment. Donc voilà. Alors on verra pour le MAN. Il y aura peut-être une vidéo, ça on verra selon la carrière. Voilà. L'Orange T, j'aurais bien aimé qu'il soit sorti avant le MAN TGX. Parce que ça faisait un an et demi qu'ils nous le promettent. Toujours pas sorti. Le Euro 6, on n'attendait pas, mais c'était prévu, mais ça on verra. Bon, on a eu les remarques, c'est déjà bien. Donc voilà. Ça c'était pour la petite info. Donc on verra bien pour le MAN TGX. Peut-être sur ma partie de cheaté, je vous le montrerai. Ou si j'ai vraiment les moyens, j'achèterai ce camion. On testera. Peut-être que j'aurai pas la Streamline. Hein. On verra bien. On verra selon comment ça va évoluer. Hein. Ça va être intégré dans le jeu et non pas dans un DLC. Donc voilà. Il a combien de kilomètres ce camion? Parce que je roule un petit peu. 4000 km au compteur, bientôt la révision des 10 000. Voilà. Petite et dernière info, parce qu'on va peut-être bientôt arriver, je suppose. Alors attendez, hop, il nous reste 200 km et c'est pile poil. Ça va nous faire 30 minutes de vidéo, ça va être cool. Petite info, j'avais présenté le site, donc là vous avez vu comment créer et gérer l'entreprise. Et petite info, vous pouvez maintenant, pour ceux qui cherchent une entreprise, venir postuler dans mon entreprise. Vous allez dans Pôle emploi, vous regardez Transport Stéphanois. Alors il y a des trucs qui manquent, pourtant je vais essayer de remettre un. Alors peut-être d'ici là, ça sera fait parce que je tourne les vidéos en avance. De refaire l'annonce et de rectifier les choses. Ça, voilà. On verra bien, on verra bien. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à venir à l'entreprise. Je vous mettrai bien dans la description. Pour ceux qui veulent rentrer.
Alors, il faut bien lire le règlement et bien lire ce que je dis dans l'offre d'emploi que je vous propose. C'est impératif. Donc, voilà. Donc, mine de rien, c'est que on a quand même bien avancé. Ça vous fait quand même un épisode pour notre série On voit dans le monde, parce que c'est une série sans fin. On va continuer à faire des vidéos, etc. Sur OTS, ne vous inquiétez pas. Là, j'avais envie de changer. J'ai dit pour au moins, il y a Farming, on va en voir. Puis j'aime bien ETS, donc j'ai dit, bah, comme ça faisait un moment, j'ai dit pourquoi pas faire un ETS. Et là, vous aurez peut-être d'ici au milieu de la semaine, je tournerai une vidéo ATS, chercher le nom du jeu, ATS en multi, pareil. Et depuis que j'ai recommencé ma partie, je me fais plus kick. Là, j'ai testé pour ATS, et là c'est aussi un test pour aujourd'hui. Ne pas reboot ma box et voir si je me fais kick. Et ben non, je me fais pas kick. Oula. Trop dévié, chef. Bah, quand tu joues au clavier, mais j'ai pas les moyens de m'acheter un volant. J'aurais pu, mais les moyens me servent pour autre chose, qui sont raisons privées. Là, direction, bah, le panneau, on le voit, c'est bon. On va direction Vienne. Alors, j'aime bien les villes, les noms de villes, ils ont changé, mais pas sur les panneaux. Parce que Vienne, maintenant, c'est VIE2NE, et là, c'est WI. EN, mais bon, on fait avec. Hein. Voilà, donc j'ai voulu avec mon entreprise. Donc je suis tout seul, j'ai pas d'employé, je roule tranquille à mon compte. Voilà, et ça, c'est ce qui est bien. Donc voilà, ah, c'est des trucs qui ne cherchent pas. Et vous avez vu que j'ai changé d'entreprise, et oui. Je ne suis plus dans transport Michael FR, je suis dans la LFD. Oui, parce qu'il y avait moins d'activité sur transport Michael FR. Du coup, comme sur la LFD, il y a plus de monde qui joue, il y a plus de monde qui s'amuse et tout. Salut Chris Légende. Et salut, bonne route. Et bah, bonne route à toi aussi, hein. Je ne sais pas si tu regarderas ma vidéo, mais voilà. Ça descend, ça descend, ça descend. Là, c'est le ralentisseur électrique. Et là, ça monte. Donc voilà. Donc il n'y a pas besoin de faire le plein. J'ai encore. De toute façon, moi, j'attends que je sois arrivé. Dès que j'ai le témoin de la réserve qui s'allume, là, je peux faire le plein. Bon, je peux faire. Je sais pas combien. Je sais que mon Scania, je faisais avec le 6x4, je faisais 300 km d'autonomie avec la réserve. Alors là, j'aime bien parce que ça fait descente, montée, descente, montée. C'est cool. Et donc voilà. Et donc, n'hésitez pas à venir dans l'entreprise Transport Stéphanois. C'est mon entreprise. Je vous mettrai le lien en description si vous voulez venir. Il suffit de vous créer un compte pour ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas de compte. Voilà, ça monte. Allez, mon coco. Allez, mon coco. Monte, 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 monte. Monte, monte. Ah, il n'y avait pas eu besoin. C'est bon. Là, il l'a senti. Hein. Là, j'aime bien parce que, en fait, les 730, tu sens presque rien à monter. Des fois, si, des fois, non. Et là, tu t'amuses plus avec un 500 chevaux qu'un 730. Puis, j'ai mieux d'autonomie quand tu fais le plein du camion, donc c'est cool. Parce que imaginez, vous faites une cargaison, vous faites le plein à chaque fois, vous faites la deuxième cargaison et vous êtes la moitié du trajet, il faut faire plein. Ouais, ça pique. Donc voilà. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à venir dans l'entreprise. Comme j'ai dit, vous lisez la description, vous lisez les règlements. Et tout, si tout vous convient, et ben moi ça me convient aussi. Voilà. Mine de rien, il doit nous rester. Oula, désolé parce que là je remets la carte. 100 km à faire. 100 km à faire.
Et en plus, on roule 2 jours. Il me semble que j'ai dû rouler une nuit. Ouais. Ah aussi, pour les bonus, ça va arriver, vous inquiétez pas. Mais là, j'ai mis un petit peu en stand-by certaines vidéos. Mais ça va arriver. S'il y en a qui me demandent dans les commentaires, ben, si vous m'avez demandé dans les commentaires, peut-être que j'ai pas vu vos commentaires, j'en sais rien. Mais en principe, comme il y a peu de monde qui écrit, et généralement, j'y passe par là. Et puis, si je vous mets un petit cœur, un petit j'aime, ou je vous réponds, c'est que je suis passé par là. Donc voilà. Donc voilà, bah, donc je vous mettrai tout dans la description. L'entreprise, si vous voulez venir, c'est alors l'entreprise, c'est sûr. Je sais plus. Si, Realistic Simulation, il me semble que c'est ça. Sur le site que je vous ai présenté, donc voilà. N'hésitez pas à venir à postuler. Par contre, il faut bien lire ce que je vous ai mis sur l'emploi. Donc vous allez dans emploi pour ceux qui veulent venir rejoindre mon entreprise. Et vous envoyez une candidature, d'abord vous lisez le truc de Pôle emploi. Vous essayez de me retrouver l'entreprise stéphanoise, stéphanois plutôt. Puis vous, dès que ça vous convient, bah vous envoyez, vous postulez. Si vous voulez voir l'entreprise, vous pouvez voir l'entreprise. Il y a Discord aussi, d'accord, pour venir discuter. Voilà. C'est une entreprise libre, hein. Comme je dis, la seule exigence que je demande, c'est d'avoir un camion neuf de départ. Hein. C'est marqué sur le règlement. Ça, c'est obligatoire. D'envoyer la note de frais du camion ou de la remorque. Ça dépend, ou de l'ensemble. Hein. Ça dépend ce que vous avez à faire. Hein. Le camion, c'est obligatoire de l'avoir neuf. Après, si vous changez que la remorque ou que le camion, vous envoyez une demande et ce sera l'entreprise que bah, ce sera moi qui vous répondra parce que je suis le PDG. Voilà. Et comme je vous ai dit, vous avez juste à lire la suite. Et puis c'est tout. Voilà. Et de respecter le règlement. C'est tout ce que je demande. De lire le Pôle emploi et de respecter. Je me répète plusieurs fois, je suis désolé, mais voilà, pour que vous compreniez bien, hein, c'est pas. Voilà. Voilà. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas pour l'entreprise. Le lien, faut pas que j'oublie. Faut ça que j'y pense. Et on arrive. Je crois que j'ai pas découvert, mais voilà. Ah, Vienne. Berne, c'est à droite. Puis je prends large. Faut que j'aille encore plus doucement, ce serait bien. Mais on a croisé presque personne. Donc voilà. Donc la prochaine fois, ce sera ATS et puis vous aurez du FS, vous inquiétez pas. Oui, découverte de Bernon, oui, je l'ai pas découvert.
Ils sont combien? Désolé, un petit peu de lag arrive en ville. Mais comme je découvre la ville, c'est peut-être pour ça aussi. Voilà, tourne à gauche. Une petite question, parce que ceux qui sont peut-être vers la fin. Est-ce que vous voulez des vidéos de tutos? Pour ceux qui veulent savoir comment faire, moi j'ai une tactique. Après, c'est. Je peux vous donner des conseils. Je peux vous donner des conseils. Je peux vous donner des conseils. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto. Comment bien débuter sur ETS2 et ne pas faire faillite tout de suite. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois. Maintenant. Sur la carrière où il y avait mon Scania S et la partie solo et cette partie là hein, la nouvelle partie multi hein, parce que l'autre elle n'y est plus. Donc voilà. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto pour démarrer une carrière comment s'appelle une carrière sur ETS2, comment bien démarrer sans se faire faillite. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto comme ça 2019, parce que maintenant il y a les remorques qui ça c'est encore plus financièrement ça donne plus il faut avoir plus de sous, donc après il y a beaucoup d'aide et tout, donc voilà. Donc dites-moi dans les commentaires hein, si vous voulez ce tuto là, et moi je serais ravi hein, je vais vous dire comment évoluer et des conseils si après vous n'êtes pas obligé de les respecter hein. Donc voilà, donc sur ce on va se laisser là pour cette vidéo. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager la vidéo, à vous abonner si c'est toujours pas fait, à mettre un commentaire, d'accord, ce que je vous ai demandé, si vous voulez oui ou non un tuto sur cette sur ETS2. Alors le tuto sera sur ETS2 et ça sera je ferai que sur ETS2. ATS parce que c'est le même principe que ETS, hein, c'est évident. Et du coup, il suffira juste d'écouter la vidéo, de suivre les mêmes conseils et comme ça, pour ceux qui sont ATS, s'ils suivent le tuto ETS2 et s'ils font pareil sur ATS, c'est voilà, ils vont arriver easy à faire une entreprise qui rapportera de l'argent. Voilà, moi, elle rapporte pas mal d'argent. Donc moi, sur ce, je vais essayer là pour cette vidéo. La prochaine fois, ça sera ATS et du farming. Donc, moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et je vous dis à tous.